Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Encore un plaisir pour moi de vous retrouver dans cet autre numéro de Café Débat, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue, d'impacter l'opinion. Un principal et seul sujet, la Guinée toujours dans la crise politico-sociale liée évidemment à la question de constitution, bien entendu. Et le FNDC, après bien entendu que les corps de ceux-là qui ont été tués lors des manifestations du 14, 15 et 16 octobre dernier a été mis à la disposition des familles pour qu'ils soient enterrés hier, évidemment, a donc décidé de les accompagner à travers une marche funèbre que nous décrivions hier même dans cette émission. Malheureusement, cette journée d'hier s'est soldée par d'autres tueries. On nous parle de 2 morts, voire même 3 morts et plusieurs blessés par balle. Comment est-ce que cela a pu se passer alors qu'on s'attendait à un enterrement très calme, sans problème, pour que les manifs, la marche du jeudi se passe dans les meilleures conditions. Évidemment, nous revenons sur cette journée d'hier et voir à l'horizon ce qui peut arriver demain en termes de décrispation de cette crise qui ne fait que, on va dire, s'aggraver profondément. Pour en parler, évidemment, je reçois sur ce plateau Tchernon Souleymane Diallo, il est journaliste à Sabari, mais aussi il travaille pour Guinée News. Il était sur le terrain hier à Bambeto, il a vécu les faits, il va les décrire, puis après il donnera ses analyses sur la situation. Tchernon Souleymane, bienvenue sur ce plateau. Merci, bonjour. Merci surtout de la disponibilité. Merci. Je rappelle évidemment qu'avec Tchernon, on va parler bien entendu d'autres sujets, cette fois-ci liés à la corporation, aux journalistes. Et d'ailleurs, c'est par cela qu'on va commencer. Des journalistes qui ont été violentés au siège du RPG Arc-en-Ciel, le parti au pouvoir, il faut qu'on en parle suffisamment. Et de surcroît, cela s'est passé en une journée où on célèbre la fin de l'impunité des violences faites aux journalistes. Quel regard vous portez sur cette situation de violence répétée contre les journalistes et toujours, malheureusement, au siège du parti au pouvoir? Mais écoutez, c'est forcément un regard de regret, mais pas de surprise, bien entendu, parce que dire qu'un journaliste est agressé en Guinée, notamment dans un parti politique, et plus précisément au niveau du parti présidentiel, c'est pratiquement de la tautologie maintenant. On est malheureusement habitué à ce genre de situation, même si une fois n'est pas coutume, on ne le dira jamais assez. C'est grave, très grave, que cela intervienne dans un pays qui se dit démocratique. Parce qu'un pays démocratique, c'est celui qui aussi respecte les libertés d'expression, et y compris la liberté de la presse. Malheureusement, donc c'est encore une fois arrivé au niveau du parti présidentiel. Tout a commencé par le fait qu'un individu, n'importe lequel, parce que jusqu'à la preuve du contraire... Un militant du RPG. Oui, oui. Viennent s'en prendre à un journaliste dont il n'aurait pas apprécié le travail, le texte écrit le compte rendu fait, la réception du chef de l'État. La réception réservée au président de la République jeudi dernier à l'occasion de son retour au pays. Malheureusement, cela se passe aux yeux des autres responsables du parti. C'est ce qui rend la situation très grave. Parce qu'il y avait des ministres qui étaient à la tribune. Absolument. Les cadres du parti. Des responsables du parti. Qui étaient indifférents. Qui étaient là. Et ça n'avait absolument rien à voir avec une quelconque situation incontrôlée. C'était un jour ordinaire d'assemblée générale. Donc il n'y avait pas du tout de tension qui pouvait créer une situation inattendue. Donc ça veut dire que celui qui a provoqué la situation, il a prémédité la chose, il avait planifié d'agresser ce journaliste, et il l'a fait. Malheureusement, les cadres du parti se sont rendus complices de non-assistance à personne en danger, ce qui est légalement passible de poursuite judiciaire dans ce pays. Malheureusement, je le disais, le monsieur commet la forfaiture, le parti
à travers ces responsables présents, ont laissé faire. Donc, ils sont passibles de poursuites parce que, voilà, ils laissent faire. C'est comme si ils ont voulu fermer les yeux. Absolument. En voyant le journaliste agressé. Malheureusement, cela arrive en plein jour. Heureusement que les confrères, les autres confrères étaient là. Ils n'ont pas voulu se laisser faire. D'abord, ils se sont interposés, donc arrachant le confrère aux griffes des militants hargneux. Bon, si on peut se permettre de les appeler militants, hein, parce que quelqu'un qui se comporte comme ça mérite plus qu'on l'appelle délinquant que militant. Que militant. Toujours est-il qu'ils sont appelés ainsi au sein de ce parti. Donc, heureusement que les confrères qui étaient là, mesurant la gravité de la situation, ont jugé utile de s'interposer pour nous éviter le pire. Donc, ils ont sorti le confrère des griffes. Bien entendu, ce dernier il a reçu des coups, il a enregistré des pertes de matériel. Entre-temps, il y a nos confrères d'Espace FM. Absolument. Oui, qui ont subi des dommages, notamment leur caméra, oui, physiquement aussi. Oui, oui, Mohamed Ali et puis un cadreur qui ont été également victimes de violences, d'agressions physiques et verbales. Et entre-temps, dans la foulée, il y a eu la caméra qui a été endommagée. Et tout cela intervient en un jour plus que symbolique. Ouais. C'est dire que dans ce pays, ce gouvernement, ce parti au pouvoir n'a cure des symboles, ne veut absolument rien entendre, ne veut rien comprendre. Oui. Il ne voit que son pouvoir et ses armes. Parce que c'était une journée où on était en train de célébrer la journée internationale de la fin de l'impunité des violences faites aux journalistes. C'est le même jour où on violente des journalistes dans l'enceinte du siège du parti au pouvoir, ce qui est tristement paradoxal. Preuve qu'il n'y a aucune éducation, aucune éducation civique dans les partis politiques en général et au niveau du RPG en particulier. Et pour finir là-dessus, quelle solution? Parce qu'on a vu des confrères dire à un moment donné, il faut qu'on arrête de couvrir maintenant ces assemblées générales, que ce soit celle du RPG ou celle d'autres partis politiques, parce que c'est tout simplement de la communication gratuite qu'on relaie dans nos colonnes, sur nos antennes, et au lieu de remercier les médias, on bastonne les journalistes, on les attaque. Est-ce qu'il faut mettre fin à ces couvertures de ces assemblées? Bon, écoutez, je ne pense pas que ce soit la solution, parce que vouloir mettre fin à ces couvertures, c'est bien entendu faire de ces partis politiques, de ces sièges des partis politiques, comme de zones de non-droit, où pratiquement ils sont tout permis, ils se permettent donc tout genre de faire forfaiture. De dire tout parce que les caméras ne sont pas là. Et éventuellement de tout faire, on ne sait jamais. Donc il faut nécessairement être là. Mais c'est plutôt dans le traitement de l'information qu'il ne faut faire aucun cadeau à quelque parti politique que ce soit. Il faut nécessairement faire le focus sur le moindre dérapage, qu'il soit verbal ou dans les gestes, et relayer cela, faire comprendre à l'opinion que c'est comme ça qu'ils se comportent au sein de ces partis politiques, au sein des sièges des partis politiques. Parce que sinon, c'est leur faire un gros cadeau, parce que on n'apprend à personne en disant aujourd'hui que ce parti au pouvoir, les gouvernants actuels, pratiquement ils n'ont aucun respect pour les journalistes. C'est plutôt un avantage énorme, cadeau énorme à leur faire, que de décider de ne pas couvrir les manifestations, parce que ça veut dire qu'on décide de passer sous silence tous les éventuels dérapages qui y arrivent, et Dieu sait qu'ils sont nombreux ces dérapages. Donc malgré tout, il faut continuer. Il faut y aller et surtout faire le focus sur les moindres dérapages. Voilà. Et comme je le disais tout à l'heure, on va revenir au sujet principal. Il s'agit de la journée d'hier. C'est un peu la suite de cette crise politique et sociale que nous vivons, le débat houleux autour de la Constitution qui crée une division profonde et qui a entraîné des manifestations de rue, d'abord lancées par le FNDC, vous le savez, le 14, 15, 16 du mois d'octobre,
qui a fait plusieurs morts. Évidemment, il y en avait 11 couchés dans les morgues depuis ces jours. Et bien entendu, 22 jours après, ceux-ci devaient être enterrés hier. Et c'est là que le FNDC s'est joint aux familles pour récupérer les corps et leur assurer un enterrement digne de ce nom, après bien sûr une procession funèbre qui s'est donc ébranlée depuis l'hôpital sino-guinéen pour arriver au cimetière de Bambeto afin qu'il soit enterré. Malheureusement, la journée a été émaillée de morts, en plus des cadavres qu'ils avaient sous la main. D'autres ont été abattus hier, on nous parle de 2 ou de 3 morts. Et c'est dramatique, une fois encore. On va décrire les faits pour savoir ce qui s'est passé sur le terrain, puisque Tierno Souleymane, comme je l'ai dit, était sur le terrain au compte de Guinée News pour vivre les faits. Et quelles sont les implications dans tout ça? Qu'est-ce que les autorités doivent faire pour arrêter ces scènes de tuerie en public? Et puis, il s'agit aussi de cette autre marche que le FNDC projette pour le jeudi prochain, dans un climat pareil, comment envisager la marche du jeudi? Nous parlerons de tout ça aussi tout à l'heure, mais dans la deuxième partie. En attendant, parlons de la journée d'hier. Tiens, vous étiez sur le terrain. Comment vous avez vécu les faits depuis l'hôpital sino-guinéen jusqu'à ce que les violences se sont déclenchées vers Bambeto? Bon, d'abord, il faut préciser que j'étais pas seul, donc je n'ai pas suivi la scène de bout en bout. J'étais avec un autre collègue à la Sanba de Guinée News également. Donc moi je l'ai précédé à l'hôpital sino-guinéen, et quand j'ai constaté sa présence, j'ai jugé utile de décaler, donc d'avancer le cortège, aller voir comment les choses évoluent à Bambeto. Et quand il est arrivé à Bambeto, au rond-point de Bambeto, j'allais dire, moi j'ai décalé pour aller au niveau de la mosquée, toujours pour voir comment les choses se préparent et appréhender bien entendu ce qui pouvait advenir. Mais pratiquement, les choses ne se sont pas bien annoncées au niveau d'abord de l'hôpital sino-guinéen, où des agents en uniforme ont voulu, disons, enfin, ils ont voulu que d'autres personnes, y compris des journalistes, ne soient pas à l'espace réservé au corps, ça s'appelle comme ça, je crois, espace des corps au niveau de, en face de la morgue de l'hôpital sino-guinéen. Là où les parents viennent s'asseoir? Oui, justement. C'est là que la première altercation est intervenue, parce que, vous savez, il y avait des parents et proches qui étaient venus accompagner, disons, la dépouille de 11 victimes, disons 11 victimes d'un événement qui est intervenu en 2-3 jours. Imaginez le choc, et pratiquement toutes les informations concordent en disant qu'il s'agit de personnes, de jeunes hommes tués par balle, et pratiquement nous n'avons pas de preuves du contraire. Donc imaginez déjà l'état d'âme des parents, de ces familles, des proches et des organisateurs, parce qu'il y avait les responsables et autres membres du FNDC qui étaient aussi suffisamment mobilisés. Donc dire qu'un agent a décidé, enfin a eu l'intention de faire quitter ces gens-là cet espace, c'est dire qu'il était déjà prédisposé à aller à la provocation. Donc les prémices de ce qui est arrivé vers Bambeto, c'est-à-dire cette tuerie-là, se sont déjà fait sentir déjà à l'hôpital. Oui, bien entendu. Entre les policiers et les parents. Et ça a été le premier papier que j'ai, la première dépêche que j'ai faite à Guinée News, parlant déjà de cette situation de tension. Mais heureusement qu'il s'est calmé, parce que les uns et les autres, y compris certains apparemment responsables des forces de sécurité présents, de défense et de sécurité présents, et puis des médecins, et bien entendu des membres de l'organisation, disons des structures regroupées au sein du FNDC, se sont mis à calmer la situation. Entre-temps, les premiers corps, les premières ambulances sont arrivées en provenance de l'hôpital Ignace Dine. Donc tout cela aidant, la situation s'est calmée un tout petit peu. Sinon, il y avait déjà de la tension à l'air. Le temps commençait à monter. Il y en a même qui demandaient que les agents
pratiquement partent des lieux et qu'ils étaient, eux, organisés à l'interne pour pouvoir sécuriser la situation. Mmh. Et vous savez qu'ils ils ont fait des preuves dans ce sens. Ils ont organisé des manifestations ici où ils ont, à partir de leur sécurité interne, organisé les choses de sorte qu'il n'y a pas eu de dérapage. Mmh. Donc, heureusement que les agents aussi ont compris, avec bien entendu l'aide de leurs responsables. Donc ils ont battu retraite, ils se sont fait vraiment discrets. Voici un peu la situation qui prévalait quand je quittais l'hôpital sino-guinéen pour venir du côté de Bambeto. Mm-hmm. Mais déjà, ce n'était pas bien de savoir que dans une telle situation, un agent formé et donc envoyé en conséquence pour couvrir, pour sécuriser ce genre d'événement, se comporte de cette façon parce que ça ne peut être interprété que comme de la provocation au niveau des parents. Donc voilà un peu ce qui prévalait quand j'ai quitté pour aller du côté de Bambeto. Maintenant, arrivé à Bambeto, la situation commençait, déjà la situation se passait normalement. C'est vrai qu'il n'y avait pas de circulation aussi dense, mais il y avait des activités, y compris au niveau de la circulation routière, le commerce aussi. Mm-hmm. Mais vers midi 30, les choses ont commencé à changer, les véhicules ont commencé à se rarifier sur la chaussée, le commerce aussi commençait à fermer petit à petit. J'ai même eu à interpeller un vendeur qui était en train de fermer son conteneur pour lui demander pourquoi il le faisait. Est-ce qu'il le faisait parce qu'il redoute des violences, ou bien c'est par solidarité à ceux, disons, qui devaient être enterrés? Oui, il m'a dit que c'est plus par solidarité. C'est ce qu'il m'a dit, mais bon, enfin, vous savez que les deux ne sont pas loin. Absolument. C'est d'accord de la solidarité, mais hein, dans des situations comme ça, connaissant un peu comment les choses évoluent souvent dans cette zone, les gens prennent des précautions pour ne pas subir du vandalisme. Donc, il a fermé en me disant que dans une situation comme cela, on n'a pas plus de soucis pour la vente que pour, les funérailles qui concernent tout le monde. Mm-hmm. Bon, voilà un peu, mais toujours est-il que la situation commençait à changer. Il y a eu déjà des jeunes qui étaient venus pour régulariser et même, empêcher les véhicules qui partaient de Bambeto pour Kipe d'utiliser ce tronçon, parce que c'est par là que le cortège funèbre venait. Donc voilà, ça chauffait un tout petit peu parce qu'il y en a qui ne voulaient pas obtempérer. Mais bon, finalement, ils ont fini par arrêter. Donc entre-temps, moi, je suis allé à la mosquée. Mais ce qui est arrivé, au niveau du rond-point, je ne peux pas dire exactement que ça a commencé comme ceci. Mais à partir de la mosquée de Bambeto, On a constaté une sorte de mouvement pas du tout normal au niveau du rond-point, parce qu'on aperçoit à partir de la mosquée. Et puis entre-temps, on a entendu des coups de feu, on a senti que c'est du gaz, et puis on a aperçu aussi des jets d'eau à partir des véhicules des agents de la sécurité déjà postés à l'avance au niveau du rond-point. Ça aussi, il faut le souligner. Bien. Parce que... Donc il y avait un dispositif sécuritaire déjà établi à Bambeto. Habituellement, vous savez, du côté de la station. Service, il y a des véhicules, une camionnette au moins, et puis des pick-up. Donc ils étaient là, voilà, les choses sont intervenues là. Mais le pire est arrivé quand les premiers corps sont arrivés au niveau de Bambeto, parce qu'il y a eu des échauffourées, donc il y a eu du gaz, il y a eu des coups de feu. Nous, à partir, on était à la mosquée déjà, on a vu un premier blessé passer sur moto, il était transporté sur moto, donc on a compris qu'il y a eu un blessé sans savoir dans quelles conditions. Après, le mouvement s'est rapproché de la mosquée. Au moment où la prière avait lieu, parce que la prière a retardé un peu, parce que vu la situation, d'abord il y avait beaucoup de monde, et puis il y a eu ce premier incident. Donc certains leaders, notamment les principaux du côté de l'opposition, Selou Dalein et Sidya Touré, donc ont retardé.
Quand il arrivait, vraiment, la tension était à son comble. Il y en a déjà qui demandaient que les gens prient pour procéder à l'enterrement et quitter les lieux parce que ça ne s'annonçait vraiment Tout à pas fait. bien. Mais bon, malheureusement, cela n'a pas suffi. Le mouvement, la violence s'est rapprochée davantage de la mosquée. Et au moment juste de la prière, le gaz a envahi la mosquée. Il y a eu de la bousculade à l'intérieur de la cour. Nous, on était là. Certains ont dû interrompre la prière parce que quand le gaz est arrivé, il y en a qui ne supportent pas. Il y en a aussi par peur. Parce qu'il y a les véhicules des agents en sécurité, de la sécurité aussi. Qui se rapprochaient. Donc pratiquement le pire était redouté. Et vous savez, l'instinct de survie dans ce genre de circonstances, les gens se sont bousculés. Donc il y en a qui ont interrompu carrément la prière pour s'enfuir en inhalant du gaz et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc en réalité, on n'a même pas sereinement non, non, pas du prié tout, sur les absolument corps. Pas, on n'a pas sereinement pas. Prié et la sur partie, les corps. Et la partie où j'étais, où j'ai observé tout cela, autant que faire se peut, c'est des gens qui étaient juste derrière les cercueils, les 11 cercueils alignés avec le drapeau rouge, jaune, vert, le drapeau national dessus. Donc c'est dans cet espace que tout cela est intervenu. Entre-temps, on a vu des blessés, on a senti que il y a eu d'usage d'armes. Entre-temps, il y a un confrère, un jeune confrère, je crois qu'il est du site, en tout cas c'est ce qui est marqué sur le gilet qu'il portait, du site Océan Guinée, qui nous a décrit une situation qu'il a vécue, comme quoi il a vu le gendarme, enfin pas un gendarme, je m'excuse, il a vu un agent en tenue avec une arme, pointé d'abord sur lui, le temps pour lui de fuir et revenir, il a trouvé un jeune homme déjà qui a reçu un coup et il aurait, selon ses explications, lui-même de sa propre main, il a touché la partie ensanglantée, il s'est rendu compte que le monsieur était gravement blessé s'il n'avait pas succombé. Donc voici un peu ce qui est intervenu et les circonstances dans lesquelles il y a eu cette prière, si on peut l'appeler comme ça, et puis l'enterrement est intervenu. Et avant même, pendant que l'enterrement avait lieu, il y avait déjà les coups de feu, donc il y avait les affrontements donc, entre les agents et puis les jeunes qui protestaient contre ce genre de situation. Donc il y avait des jets de pierre contre des tirs parfois de balles, réel et de gaz. Et de gaz. Donc c'est dans ces circonstances que pendant qu'on premier faisait sortir les cercueils, moi j'avais compté 5 ou 6, pendant ce temps la situation était très tendue là-bas, mais on a aperçu le cortège des responsables du FNDC, donc des partis politiques et des associations qui étaient là. On a vu leur véhicule passer. J'ai personnellement distingué les véhicules de commandement de celui d'Alain Diallo et de Sidya Touré parce que ils ont leur agent pratiquement autour des véhicules. Autour des véhicules. Donc tout de suite on a compris que ils n'ont même pas pu arriver au cimetière ces gens-là. Donc ils ont profité de la situation pour quitter la mosquée et venir reprendre la route de Kipé et s'en aller. Et imaginez le reste. Il y a eu du gaz, ça c'était derrière dans moi. Le cimetière, il dans que le cimetière, même oui. Dans le cimetière, oui, ça c'est des images, c'est des images que j'ai vues, parce que moi quand j'ai vu les leaders politiques et autres des associations du FNDC partir, je me suis rendu compte que la situation risquait de dégénérer davantage, et donc étant donné que tu ne pouvais pas avoir le moyen de déplacement dans ces circonstances comme ça, donc il fallait chercher à se mettre en retrait. Donc voici jusque-là, j'ai suivi la scène avant de voir des images de gaz lacrymogène à l'intérieur même du cimetière. Oui, à l'intérieur même du cimetière. Et puis après, il y a eu le tweet de celui d'Alain Diallo qui a informé de la gravité de la situation, c'est-à-dire c'était en ce moment 6 blessés et 1 mort. Ça, c'était vers les 16h-17h. Et bien entendu, cela a été confirmé et d'ailleurs aggravé par le bilan fait par le directeur, enfin le porte-parole de la police, Monsieur Mamadou Camara, général Mamadou Camara, qui a parlé de 2 morts et d'autres blessés. Mais après, il semble que le bilan s'est alourdi parce que on n'a pas pu vérifier cette information, mais plusieurs sources concordantes parlent d'un troisième
décès intervenu suite à des blessures. C'est donc ça un peu le récit de cette journée d'enterrement hier, finalement qui s'est transformée en journée de tuerie, malheureusement. Donc, en termes d'analyse maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de la situation avant qu'on observe cette pause-là? C'est un peu toujours cette face inhumaine du gouvernement qui s'affiche, qui se confirme davantage avec ce qu'on a vu autour de la mosquée, mais aussi même dans le cimetière, qu'on ne permette pas que les gens mettent sous terre ces morts. Oui, c'est ça, on ne le dira jamais assez. En ce qui concerne les valeurs, qu'elles soient religieuses ou tout simplement humaines, ce gouvernement, il est en train de prouver à la face du monde et toutes les occasions sont saisies, malheureusement, pour démontrer que ces considérations-là ne sont pas prises en compte par ce gouvernement, parce que sinon, ce qui est arrivé hier ne serait absolument pas intervenu. L'autre question, c'est que, en tant qu'aspect analyse de la situation, pour éviter ça en amont, est-ce que le gouvernement aurait dû, le ministère de la Sécurité, ne pas du tout déployer ce dispositif sécuritaire, dès lors qu'on a senti que les parents des morts ne sentaient pas la présence des agents de sécurité, même à l'hôpital, est-ce que ce n'était pas mieux d'enlever le dispositif au carrefour de Bambeto et laisser les gens venir tranquillement eux-mêmes faire l'enterrement et partir? Est-ce qu'il aurait dû faire ça? Oui, ça aurait été l'idéal, mais bien entendu, vous faites bien de le préciser, en tant qu'analyste, on ne pouvait pas s'y attendre. Parce qu'il faut se rappeler tout ce qui s'est passé avant que l'enterrement là n'ait eu lieu. D'abord, il y a eu un premier avortement parce que les autorités avaient, à la dernière minute, changé d'avis. Et évoqué la question des autopsies. Des autopsies, pendant que légalement, ce n'est pas le ministère de la Santé qui a fait le communiqué concernant cette autopsie, qui aurait dû le faire. Parce que légalement, quand la situation arrive à ce niveau sur le plan judiciaire, c'est plutôt, ça relève du ministère de la Justice, plus particulièrement du procureur de la République. Donc, nonobstant cette démarche illégale, on a constaté que voilà, les choses se sont d'abord très mal passées à ce niveau. Et puis, pour ce qui est de la suite, nous avons suivi quand les corps ont été transportés de l'hôpital Ignace Dine pour être déposés au niveau de l'hôpital Sino-Guinéen, où les conditions ne sont pas créées pour ce genre de situation. Pour la conservation, oui, notamment, pour la conservation des corps. Oui, et là, les gens ont tout de suite interprété cela comme une sorte de pression que le gouvernement aurait voulu faire sur les parents des victimes pour leur dire si vous ne venez pas récupérer les corps, alors ils vont entrer en putréfaction ici. Et c'est quand ils se sont rendus compte que les parents avaient déjà peut-être subi le pire en perdant leurs enfants et qu'il ne pouvait pas y avoir quelque chose de pire que cela. Donc ils ne se sont pas précipités sur ces dépouilles que le gouvernement a décidé de reprendre les corps, les ramener à Ignace Dine avant de reprogrammer, disons, la mise à disposition des corps en vue des funérailles. Donc, quand on a vu tout ce qui s'est passé dans ce sens, on ne pouvait pas voir ce gouvernement dans des dispositions telles que vous venez de le décrire, ce qui aurait été l'idéal, mais on ne pouvait pas voir ce gouvernement aller dans ce sens parce que on s'est rendu compte que il était plutôt dans une option de tout faire pour rendre la situation encore intenable, disons, avec à la clé de la violence. Et c'est ce qui est arrivé. Sinon, la marche du 24 octobre, qui reste jusqu'à ce niveau une référence dans ce sens, il y aurait eu de la concertation avec les familles des victimes et puis les organisateurs des manifestations. Pour savoir comment faire cette marche funèbre, sans problème. Oui, je crois qu'ensemble, comme ils l'avaient fait la veille du 24 ou avant le 24 octobre, ils pouvaient se retrouver à 3, à 4, c'est-à-dire le gouvernement, les organisateurs des manifestations et les parents. Et puis les parents des victimes, ils pouvaient se retrouver ensemble, envisager les solutions qui pouvaient être... Peut-être qu'au cours de cette réunion, certains auraient pu dire, vu que c'est une situation différente, ce serait mieux que les militaires ne viennent pas. Peut-être. Comme ça, on aurait évité ce qui est arrivé hier. Peut-être, voilà. Ou que peut-être ils auraient ensemble décidé
de la présence des agents de sécurité, mais dans des circonstances telles que ils ne soient pas vus comme des agresseurs, comme des gens qui sont venus narguer les victimes et leurs parents. Malheureusement, tel n'a pas été le cas. Donc, le gouvernement s'inscrit dans une dynamique de provocation en vue, bien entendu, d'aboutir au résultat auquel, malheureusement, aussi macabre, parce qu'il y a déjà 3 morts, si on prend compte de les dernières informations. Mais bon, voilà, c'est encore dramatique et ça ne présage pas de bons augures pour le paysage politique, sociopolitique guinéen. Absolument, pour parler de l'avenir très très proche, évidemment, il faut savoir que le FNDC programme une autre marche le jeudi. Dans un tel contexte, comment envisager cette marche du jeudi? Nous en parlerons en 7 minutes chrono tout à l'heure, mais dans la deuxième partie de cette émission, juste après la pause D. Le Club des Métis pour la prévention des conflits et le maintien de la paix, en partenariat avec la Commission électorale nationale indépendante, CENI, et la collaboration de Wasolon Agency Communication, organise la première édition du tournoi de football des partis politiques. Pour promouvoir le fair play politique en vue d'instaurer un climat de non-violence dans la pratique de la politique en Guinée, 16 partis politiques se donnent rendez-vous autour du cuir rond. Quel parti politique remportera cette première édition du tournoi de football des partis politiques? Rendez-vous en septembre 2019. Institutions républicaines et non gouvernementales, associez votre image à cet événement inédit. Contact 624 26 92 42, 664 24 61 06. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat, toujours la crise au cœur de cette émission. Évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, après tout ce qui vient d'être décrit par Tierno Souleymane, ajoutez à cela évidemment l'analyse de la situation dans ce contexte-là, alors qu'on se réjouissait déjà de l'autorisation tacite de ces manifestations et de la réussite de celles qui ont suivi cette autorisation. D'abord, la marche sur l'autoroute du FNDC réussie et bien entendu la réception d'Alpha Condé sans heurts, même s'il ne faut pas s'en étonner, bien sûr. On pensait que les jours qui allaient suivre seraient aussi tranquilles et sereins en termes de manifestations, mais vous avez malheureusement vu celle d'hier. Est-ce que les sanctions vont tomber ou est-ce que ce sera toujours les mêmes promesses? On va ouvrir les enquêtes sans qu'on ne sache qui a fait quoi. Et dans un contexte comme ça, comment envisager la marche du FNDC du jeudi qui est prononcée? Mais écoutez, il faut craindre le pire dans ce genre de situation, parce que vous venez de le dire. En tout cas, si rien n'est fait jusqu'à jeudi, autorisé ou pas, la manifestation risque d'être émaillée de violence. Et derrière, il faudra s'attendre à d'autres dégâts, y compris sur le plan humain. Donc, il faut nécessairement que les autorités, parce que ce sont les premiers responsables de cette situation, il faut que les autorités, disons, revoient leur copie, parce que c'est pas comme ça que ça ne doit pas continuer comme cela. C'est tuerie. Il faut nécessairement qu'Alpha Condé écoute la partie de la mouvance qui n'est pas va-t-en-guerre, qui n'est pas extrémiste, constitué que de faucon. Il faut qu'il écoute cette partie et se dire que la situation elle est en train de s'empirer et que c'est à lui et à lui seul de mettre fin à cela. Parce que du côté des opposants, ça va être difficile d'envisager que les gens arrêtent comme ça pendant qu'ils sont en posture de réaction, même si moi, si ça ne tenait qu'à mon avis, je leur aurais suggéré carrément de remettre tout cela plus tard. C'est-à-dire les organisateurs? Oui. Vous pensez que les organisateurs de la marche devraient repousser celle du jeudi si, en attendant de voir... En tout cas, si c'est organisé tel que c'est en train de se faire maintenant, c'est-à-dire c'est aller voir des jeunes hommes armés de gourdins, de cailloux, affronter des agents en uniforme, quoique légalement ces gens-là ne doivent pas être possédés d'armes de guerre, d'armes létales, dans le cadre du maintien d'ordre, ça il faut le dénoncer vigoureusement. Parce que c'est ça aussi l'aspect qu'on
que le gouvernement minimise ou parfois nie souvent. C'est-à-dire c'est la possession d'armes de guerre par des agents qui sont dans le cadre du président de la République lui-même, il a tellement martelé dans n'importe quelle interview qu'il fait, il dit que mes gendarmes, mes policiers n'ont pas d'armes. Mais justement, la journée d'hier a prouvé le contraire, n'est-ce pas? Toutes les manifestations émaillées de violence ont enregistré, il y a eu des preuves pour mille qu'il y a que les agents sont généralement en possession d'armes de guerre. Vous voyez les douilles des balles qui sont utilisées. Mais on ne peut pas, un gouvernement responsable ne peut pas voir tout cela, regarder cette réalité en face et la nier. Bien. Donc, pour terminer avec les organisateurs, les opposants qui regroupent au sein du FNDC, ce serait bien de s'assurer que l'organisation va se passer autrement ou que ils ont, soit, je le dis sans embâche, soit ils sont prêts, ils sont vraiment prêts à aller jusqu'au bout, affronter le gouvernement, ils le font et c'est jusqu'au bout pour obtenir des résultats définitifs ou vraiment attendre d'être prêts pour cela. Mais il ne s'agit pas d'organiser des manifestations juste pour voir des gens se faire tuer et blesser dans la zone de Bambetou-Yokouza. Et écoutez Alpha Condé dire que non, c'est deux ou trois quartiers avec cette étiquette d'ethnicité de la situation. Il faut vraiment revoir cette façon de faire. Bien. Soit ils sont prêts pour affronter le régime et ils le font jusqu'à obtenir les résultats qu'ils demandent. C'est-à-dire qu'Alpha Condé déclare abandonne officiellement qu'il n'est pas dans une posture d'aller au-delà de ces deux mandats, ou s'ils ne sont pas prêts à cela, qu'ils arrêtent les manifestations, le temps de réfléchir et peut-être de négocier, mais pas organiser les manifestations pour compter des morts. Voilà. En tout cas, nous reviendrons sur l'évolution de cette actualité, finalement, qui malheureusement fait que ceux-là qui, en dehors de notre pays, étaient prêts à prendre leur vol pour rejoindre la Guinée, pour des investissements privés, pour des affaires, pour des activités, ont tout simplement remis leur voyage à un calan grec. C'est clair, parce que le climat politique et même économique de notre pays ne s'y prête pas, et c'est l'autre dommage que cette situation crée à notre pays. Il faut bien que le président de la République, en fait, utilise évidemment, comme je le dis tout le temps, la sagesse qui requiert la fonction qu'il incarne aujourd'hui de chef de l'État. Tiens, en tout cas, merci d'être passé. On se retrouvera très prochainement. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Voilà, à vous merci de votre attention. À demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.